Yo, c'est Inazuma Kada pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Alors, après avoir fini la route de Shadow Person avec Red Eyes Eleven, puis s'être fait les Tenmas, on commence, on va dire, pas une trilogie, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin, peut-être 8, 3, 4 épisodes si on fait deux matchs sur en route pour The Hollywood ou la route du sac si vous préférez. On va peut-être la mettre en français en route vers la route du sacre. Donc pour ces matchs, il suffit d'aller voir cette jeune fille qui n'est autre que Celia ou Otonasha Aruna, moi je... Et donc c'est elle qui propose les matchs face aux équipes de la Hollywood. Donc il y a certaines que j'ai faites, d'autres que je n'ai pas faites. De toute façon, ça va être débloqué. Alors voilà les équipes. Eito Gakuen. Cette équipe c'est Tengawara, Manuzaka, Teikoku Gakuen et pour finir Kayo. Donc on ne perd pas de temps, on y va directement. Niveau de l'équipe, on garde les mêmes formations, donc Garnett et Mary qui restent. Je garde mon 4-3-3 pour ce match. En même temps, donc j'ai fait quelques changements, vous les verrez en match. J'ai dû faire peut-être un changement seulement, au niveau des techniques. Et donc, oui, ça devrait normalement le faire. Au niveau 40, l'équipe et au niveau... L'équipe à quel niveau ? 45. Ouais, bon, de toute façon, on est plus avantagé pour qu'on fasse. Allez, côté bonne chance à Hitter. Par contre, je sais plus si c'est cette équipe qui dispose d'une musique qui est vraiment pas mal. En tout cas, si c'est celle-ci, je vous... Par pitié, trouvez-la moi. Je la veux. Je l'adore. Si c'est bien celle-ci. Non. Donc ça va être la prochaine. Autant pour moi, je n'ai rien dit. Donc qu'est-ce qui change au niveau de la formation? J'ai juste mis Ryugel en milieu de terrain. Parce que ses stats commencent à bien se développer. Et il a des stats de... Il peut faire un bon milieu. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Après, Karen prendra la place de Hazard. Ma ligne de défense ne change pas. Mary à gauche. Kibitsu à gauche. Enfin, j'ai tous les éléments dans ma défense. Quoi. Si on doit s'attarder sur les joueurs, non. En dehors que la God NX, on va savoir pourquoi. Sinon, oui, leurs stats, elles sont pas. Elles sont un peu boostées. Ça ne devrait pas être une grande menace. Oui, bon. Ils sont prenables. Ils sont prenables, largement. Kick off. Alors, par contre, dans ces matchs-ci, donc les souls ne sont pas autorisés. Uniquement les Kishin. Comme c'est la Hollywood, il n'y a pas de souls. Donc bah pas de souls, que des Kishin. Ah, level up pour Events Drive. Level up pour Dragon Blaster. Dis donc, ce petit, c'est un vrai buteur né. Bon, en même temps, c'est un tien, mais bon. Je suis fier d'eux.
Ah merde, j'avais l'avantage sur lui, mais il est passé. Bon. Plus qu'elle le passe, amplement. Lui, je le passe amplement. Et si je peux... Oh yeah! Ah, c'est connu! Oh yeah! Asokoni UFO, ou le meilleur move de drift que j'ai jamais vu. Et rien de mieux que Ryugel pour le faire. Et un Shin Dragon Blaster pour le goal. Asokoni UFO. Il est juste épique. Il est juste épique. Faire croire à l'adversaire qui a un ovni. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai pleuré de rire, toi. Ah, j'ai pleuré de rire durant cet épisode. J'ai pleuré de rire. Bon. Juste pour, on va dire le... Non, je vais pas quitter le match. On va faire une technique avec Garnett, s'il peut la faire. Voilà, c'est l'histoire de la paix. J'ai l'impression de rejouer à Go. On va chuter normalement pour cette fois. C'est l'arbitre, c'est pas du foot, ça. Ah, quoique, Ryugel au milieu de terrain, il fait des dégâts. Bien joué. Ouais, il passe. Ouais, tout ça même technique ou quoi? Et où la balle? Elle est où? Nani? Ah bon? Sérieusement? Balista shot. Ouais, il n'aurait même pas pour me passer normalement. Sauf s'il me fait un shipai. Oh, j'adore mon goal, mon dieu! Par contre, Asokoni UFO a bouffé tous mes TP. Bon, par contre, ça, j'ai oublié. Kishin. C'est bien que je les fasse up en même temps. Liquid Flow. Level up. À 3 secondes, c'était fin de la mi-temps. Et connaissant l'arbitre, lui, il ne l'est jamais. Il n'a jamais le temps de faire une action. Oh yeah!
Comment ce goal peut se permettre d'avoir God NX? Hey! Oh! Hey! Brillant! Oh! Hey! Oh! En fait, je sais pas pourquoi je me suis inquiété pour, enfin, pour ces matchs. Celui-là n'est pas forcément difficile. Je pense que les autres le seront beaucoup plus durs. Surtout que ben, les autres joueurs auront des chines. Et bon, ce genre de match, une bonne occasion pour Garnett et d'autres joueurs de up. Pardon, j'ai le OK. Katora. Bon, c'est comme pour finir. Alors, on fait rentrer Katora à la place de H et Karen à la place de Ryogen. Un petit Kenshin à up de niveau, Kaioshin Apollo. J'ai mal joué. Ah, bien. En profondeur, nickel. Plus qu'à shooter. On verra si on passe God X avec ça. Hasardeux. Enfin, hasard, je sais pas du tout. Je voulais l'utiliser en milieu défensif, mais comme j'ai envie que tout le monde l'utilise, on va mettre Masala. Et j'ai plus personne qui fait de Kenshin. Ah si, j'ai encore ces deux-là. Donc que je trouve un Kenshin ou un Sou pour Garnett. Ouais. Bon, on va tester, on va mettre l'allée là, on va tester avec Séductrice. Le problème c'est qu'elle n'a pas beaucoup de défense. C'est une très bonne milieu, mais niveau défense, c'est pas tout à fait ça. Et voilà, là je viens de laisser un trou dans ma défense. Un beau trou. Ah mince, j'ai pas regardé. J'ai cru que j'avais plus d'avantages que lui. Grave erreur. Ah bon, il me passe. Kibitsu, franchement, hein. Oh yeah! Acrobatic kick! Allez, un petit chain, voici. Vas-y Virgo, vas-y Virgo.
Je pense qu'il l'arrête. Ouais, il l'arrête. Bien joué, gardien, bien joué. À toi, Karen. Je crois que la miniature de la vidéo, ça va être sa technique. Lucey! Fredo! Oh yeah! Non, c'est mon move préféré. You save Blade. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point j'adore cette technique. Oh non. C'est juste épique. Épique. Vous pouvez pas savoir. Bon, en fait, je dis ma technique préférée. Il y a aussi Tenko Toshi qui est tout en place. Mais Ryusei Blade, c'est juste le premier que j'ai vu, que j'ai découvert. J'étais émerveillé. Tant de puissance. So much power. Au point où on en est, hein, 5-0, on peut se permettre de leur faire des petites crasses à ces joueurs. Alors. Oups. Oups. Oh, le fail. Oh, le fail. J'ai oublié que je viens de faire Iron Wall et que je n'ai plus assez de TP pour faire Eva's Drive. Je voulais chain avec... En plus, j'ai personne pour... Oh, maintenant j'ai Arcadie. Mais bon, j'ai Arcadie pour bloc. Chipai. C'est fini pour toi, gars. Fini pour toi, gardien. Ah, le pauvre gardien en prend plein la poire. Alors j'ai 3 minutes pour invoquer quelques péchines. Alors attendez, une minute. J'en ai deux qui sont invoqués. D'accord. Ah, Gandalès a quand même 108 en bloc. On va mettre Gandalès à côté du dessous. On va mettre ça, on perd pas comme ça. Histoire que je puisse invoquer des Kishin encore. Alors, il doit me rester. Ah oui, j'ai encore Shishu Arios de L. Mais je crois que je n'aurai pas le temps de tous les invoquer. Peut-être un seul, si j'ai le temps. Robin que je n'ai pas pu invoquer. Ouais. Imagine Pegasus Arcred, Shishu Arios, Adia Level Up. Masashu Bishop, Adia Level Up.
Bon, on va mettre celui-là, histoire de. Quoi qu'à la fin de la vidéo, je vais juste essayer de mettre tous mes keychains au même niveau, donc niveau 1. Alors attendez. Ah ouais, parce que là je suis en train de le truc. C'est-à-dire que le 8 n'est pas encore. Alors attendez, l'épisode 8, juste après. L'épisode 9 précédent avec Red Light 11. Celui-là le 10. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Ah, c'est la fin du match. J'ai rigolé au niveau 48 déjà. Ah, c'est bien Garnet. Alors, j'ai leur crampon, Thief Eye et leur maillot. Et personne n'a pris technique. Et 4 jetons. Violet. Ok. Bon, on va voir un peu l'équipe, ce que ça donne au niveau des stats. Ouais, Virgo, c'est une... Ah, beaucoup de chance quand même. Ok, encore, on dribble. Kurumi, ouais. Gandales en tête. Ton kill plus 30, c'est juste énorme. Ryugen. Peut-être faudrait vraiment économiser. Camicula, ok. Arcadi, rien à dire. H. Goldas, ouais. Alors attendez une minute. Goldas a 144 sans skill. Ah oui, et Longa a 159 avec un skill. Donc il serait à 129. Donc Goldas est beaucoup plus puissant. On a Venom et Internet, ok. J'attends qu'il y ait cette dernière technique. Kazamatsuri, il y a Shinkuma. D'accord. Rainbow Bubble Shoot pour Mika. Les deux Taïus n'ont rien appris. Bon. Joshio a appris Sunshine Storm, mais bon, déjà au niveau, je ne vais pas la mettre. Tenma 103. Oh, pas mal. Je sais pas avec qui tu mixes Max, toi. Enfin, à quel joueur tu en auras ton aura. Ban, Hiro ne change pas. Arata. Ok, Plasma Ball. Keta, la Chamba Boro Shishot. La Chamba Beautiful Hoop. Elle, la petite technique. Nous n'avons rien. D'accord, bon. 23 minutes de vidéo, on passe directement au prochain match. Ça, c'est Tengawara. Tengawara, Tengawara. C'est pas la voie lactée. Si, c'est la, si, c'est la voie lactée. Et donc, c'est l'équipe avec le mec aux cheveux orange dont je me rappelle pas du tout. Okidoki. Bon bah c'est parti, je crois que c'est même eux qui ont la musique qui me plaît. Alors si c'est bien eux, je vous dis par pitié, trouvez-la moi cette musique. Un petit lien dans un commentaire, tout, je la veux. Si c'est bien celle-ci, je l'adore, je l'adore. J'essaie de la Shazamé, elle s'appelle, la musique s'appelle Endo 11. Endo 11, donc le 11 de marque. Et si c'est bien celle-ci, ça serait énorme. Attendez, c'est celle-ci ou pas? Yes, c'est celle-là! C'est celle-ci. Alors, je vous passe rapidement les joueurs que je ne connais pas du tout. J'adore la musique. Mmh.
Ouais, Z-Slash, Dead Future, Mad Juggler, Kiku Chimonji. Ouais, il n'a pas trop d'arrêt, Shoot Break. Bon, n'ont pas l'air trop dangereux. Allez, profitons de cette musique. Si quelqu'un l'a en version qui dure 20 minutes, 30 minutes, je vous la prends. Qu'est-ce que j'adore cette musique, vous pouvez pas savoir. Allez, un petit Even Drive Kai. Ah, le mec, il a un bloc shot. Bien, bon, on va voir ce qu'on fait avec Dragon Buster en Chine. Lui, il a quoi? Banerie no Shoujo, ok. Ok, ça passe. Shoot Break. Maman, il la contre. Ouais, il la bloque. Bien joué, gardien. Là, je vous dis honnêtement, j'ai pas envie de parler durant tout le match tellement que j'adore la musique. Oh non, mais c'est l'arbitre qui a pas faute là. Alors lui fait les techniques, il n'y a pas faute. Moi j'en fais, il y a faute. Quel racisme. D'ailleurs, en train de penser ce goal. Je crois que c'est un des. Oui, c'est un des goals qui a un excellent potentiel sur. Sur Shine et Dark. Oui, c'est celui-là, avec celui du Moana. Celui-là. Après, dans les autres, je connais pas son potentiel, je ne l'ai jamais pris. Mais il est bon, il était bon dans le premier. Oh, je le passe! Oh, c'est magnifique! Ah, de 1 point! De 1 point! Un petit touille de points, c'est magnifique! Vas-y, ma belle!
personne, il n'y a pas de fumée, personne. Faut pas de me dire, ça arriverait en vrai. Elle arrive à faire sortir un volcan électrique du sol. Le terrain est intact. Y a pas de sang qui tombe sur les joueurs, niette, que dalle. Ah, le Japon. Et merci Level 5 aussi pour ce jeu. Alors bon, on va mettre un Kenshin, c'est du Shining Dragon comme d'hab. Ouais, le Kenshin ça revertura la même. Le premier à faire tous ses TP. Oh l'arnaque. Alors en même temps il s'amuse de terrain storgé. Ouh la quai passe là doucement. Doucement, doucement. Je crois, s'il fait une technique, je vais le laisser. Comme ça, je le prends direct avec Ibitsu. J'ai pas trop envie de dépenser les. Ouais, voilà. Vas-y, fais. Et voilà, Ibitsu. Oh mince. Oh non, au contraire, super. Comme ça, je peux faire un Kenshin gratos. Et juste après, je peux en relancer un troisième. Normalement c'est un Kenshin de tir mais je ne le passe pas. Oh si, cool. Ah oh, magnifique. Non c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors. Oh Majin Grey est passé au niveau supérieur, je n'ai même pas remarqué. Comme ça je mets Longa Kamekula au goal. Non, je vais laisser Gundas. Je vais créer son Kenshin après. Mais je vais mettre un Kenshin qui restera durant le match. Masahiro Bishop. Voilà. Bon, 2€ à la mi-temps. Nickel, rien à dire. Mon cœur bat la chamade dès que j'entends cette musique qui me berce. Vraiment désolé si je ne parle pas, mais j'adore la musique que je ne sais pas quoi dire. Enfin, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que j'espère que vous appréciez la vidéo en ce moment-là. Parce que là, je kiffe le moment, je kiffe, j'adore. Ouais, toujours Kibitsu. Ça, c'est mon nouveau mur, ça. Et encore, il a un talent. Mais c'est Munoko Kororoe qui augmente la puissance des techniques d'éléments vides. Oh, cours, Katora, cours. Les chiens des princesses. Mais non, Katora! Pourquoi tu me fais ça? Espèce de nuke. C'est un but, ça. Et crotte.
Oh non, putain, non, monsieur l'arbitre. C'est fou, dès que j'utilise une technique, il y a faute pour moi. Dès que j'utilise une technique. Oh, allez, on passe direct en Ahmed. Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là ? Wow ! Il passe mon foot break, le goal me bloque, le défenseur me bloque. Ah, là, je te défie de contrer mon météore géant. Bon, j'ai encore 11 minutes pour marquer 2 buts. On met Masala. Et on va tirer avec Tatora au but. Et un assassinat. Ah là, on balance tous les péchés qu'on a. On balance tout. Bien sûr. Et là, il n'y a pas faute. Trois minutes pour marquer un autre but.
Non, là, honnêtement. Ok, c'est bon, je sais. Tactique. Penguin Carnival. Oh non, 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 non. Non, non, non. Ah bah oui, si je fais un Kenshin, le temps est écoulé et c'est fini pour moi. Là, c'est juste parce que j'ai envie que mon équipe up et j'ai pas envie qu'ils prennent un peu de retard vis-à-vis des autres matchs. Le Stargazer de la dernière chance. À la dernière minute, il donne un 5-0 et un rang S à Kaiser. Honnêtement, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, fin du match. Je n'ai pas pu faire tous les fichines des joueurs, mais bon. Enfin bon, bref. Pour moi, c'est mon meilleur match parce que j'adore la musique. C'est juste ça. Si la musique va avec l'ambiance du match, c'est tout bénef. C'est un match excellent. Je peux me t'arrêter à mettre 10-0, ce sera un bon match. Enfin, voilà. Alors, j'ai leur maillot. Nouvelle technique de Gondales, Dark Tornado. Ok. Bon, l'équipe ne change pas en grande partie. Non, non, la seconde UFO. Ah non, 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 c'est pas Dark Tornado. Je me suis trompé. C'est Death Side Middle. Pardon. Je pensais qu'il avait. Ah, c'est qui a Dark Tornado alors? Enfin bon. Mes excuses, je pensais que c'était Dark Tornado alors que c'est Death Side Middle. Ou je sais plus comment ça s'appelle le dribble. Je crois que c'est la technique de défense qui s'appelle Death Side. Enfin bref. J'espère que le premier match vers la route du sacre vous aura plu. Donc, restez abonnés, j'essaie d'en faire le plus possible. Ou alors au niveau de l'équipe, ouais, ben mon plein de réservistes. Hein. Shirayuki a trifloral d'espère et appelle à ses dernières techniques. Dieu que j'adore. Alors là, elle a plus de stats en milieu que de l'attaque, ok. Mary a grandi bien, c'est en de défense, c'est pas mal. Garnett, ça va aussi. Bon, les taillots ne changent pas. Tenma, Ban, Hiro, Arata. Ah, Keta a pris chewing gum, bubble gum. Et Fumichan n'a rien appris. Ok. Donc pour les prochains matchs, normalement c'est Manuzaka et Tekuko Gakuen qu'on va se faire. Donc voilà. En espérant que les prochains matchs soient plus épiques que ceci. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas une grande difficulté. Mais je pense qu'au prochain match, plus de joueurs auront des Kenshin. Enfin, surtout ils ont des Armed. On va essayer de rendre des matchs, on va essayer de rendre les matchs bah, fort passionnants. Bien sûr, là, comme vous le voyez, bah, j'ai changé des joueurs. Là, comme Garnett, par exemple, on ne touche quasiment pas la balle. Je fais un roulement. Venom, je sais pas si je veux le remettre dans l'équipe. De toute façon, j'ai pas de. Je suis pas sûr. Ouais, je sais pas qui je pourrais faire rentrer.
parce que la plupart des joueurs que j'ai sont très bons et je ne sais pas. Je me tâte. Comme on voit là, on verra bien ce que donnent les joueurs à plus haut niveau. En tout cas, restez connectés. Les vidéos arriveront petit à petit. J'espère que vous plairont, toujours comme celle-ci. Donc, ben, comme j'ai dit, si vous avez des suggestions, que ce soit par des joueurs et tout, ok. Comme Axel Eleven l'a fait, je vais faire des dédicaces à chaque vidéo à ce gars-là. Si vous avez par exemple une suggestion de match, par exemple, comme il m'a proposé Uraxus, je le ferai dès que je peux. Une suggestion de match, pour qu'elle soit dans ma tranche de niveau, si c'est une équipe qui est au niveau 60. Bon, elle va légèrement me poser des problèmes. Je sais pas en fait. Je la mettrai dans l'ordre du jour en fonction du niveau de mon équipe. Donc suggestion de joueurs, de match, d'une technique particulière qui pourrait faire l'affaire. Je garde le fait que j'ai toujours ma surprise à vous montrer. Actuellement, mon équipe, elle est à quel niveau? Niveau 44. Ok. Entre les numéros 50 et 55, dès qu'on finit les matchs jusqu'à Kayo, on va peut-être faire la surprise. Ça sera ça. Un épisode spécial. Et ça restera dans le cadre de la montée de mon équipe, donc leader. On va faire ça. Ouais, ça c'est de la totale pro là, donc notamment comme pour le match de la Holy Road. Donc c'est une totale improvisation pour le futur match. Donc sur ce, ben je vais vous laisser. Je vais essayer de recruter peut-être d'autres joueurs pour avoir des Keshin ou avoir quelques talents. Je compte remplacer le talent Munu Kokoroe de Kibitsu par Kazeno Kokoroe. Je sais pas, quoique je lui mettrai un long shot. Mais je sais pas, je me tâte. Mettre des long shots à mes joueurs, mettre des chills à tous mes attaquants et milieux. J'essaie surtout d'optimiser en fait le fait qu'ils puissent faire des matchs. Pas dire être endurant à la manière des tournois sur IO3. Pas privilégier l'endurance, mais on va dire essayer de trouver le parfait équilibre pour qu'ils puissent remplir leur rôle au maximum. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur ça, sur l'arrivée à Sandoria. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Profitez des derniers instants sur Inazuma Eleven 3 avant que Lumière et Ombre n'arrivent sur notre territoire. Donc je vous souhaite bon jeu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang pour suivre l'avancée de Ether. Bonne journée.